été complètement mise de côté à la fin du 19e siècle. Évidemment, à l'Observatoire de Paris, fin 19e siècle, on a un directeur qui s'appelle Urbain Le Verrier, qui est un brillant mathématicien, qui a énormément de choses pour l'astronomie, mais par contre, il ne veut pas entendre absolument parler de ce qui se passe à la surface des planètes, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers. Et c'est pour ça que je suis parti et que je me suis intéressé un peu à Camille Flammarion. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite à lire Camille Flammarion. Camille Flammarion est certainement le premier planétologue français ou l'un des premiers à essayer de comprendre ce qui se passe à la surface des planètes et notamment à parler de la vie. Alors Camille Flammarion, lui, il est né en 1842 hein, et à peu près à 16-18 ans, il a été astronome apprenti à l'Observatoire de Paris et puis il a sorti très vite un bouquin sur l'habitabilité et sur la vie dans l'univers et Urbain Le Verrier l'a viré gentiment. Voilà. Et donc après, il ne savait pas trop quoi faire. Bon, quand même, il s'est ressaisi et il s'est mis à construire un petit observatoire qui est à Juvisy. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait de nombreuses conférences. Il a créé la Société astronomique de France. Et c'est vrai que Camille Flammarion a été l'un des premiers à essayer de comprendre ce qui se passait à la surface des planètes. Vous allez me dire quels étaient les observables. Eh bien, on avait effectivement notre télescope. Et puis, le télescope, il était capable de faire des cartes de la Lune, des photographies même à l'époque, et puis les premières cartographies de la planète Mars. À partir de ça, finalement, vous allez vous rendre compte très rapidement que toutes les observations étaient très modernes et qu'on arrivait quand même, on avait toutes les clés en main, finalement, on avait très peu de données observables, quasiment similaires à ce qu'on a aujourd'hui. Finalement, ce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est données spectroscopiques, l'accès à la surface, envoyer des rovers. Et vous allez voir que ça prend du temps de comprendre finalement ce que c'est les planètes. La première chose, je me suis mis là près de vous parce que ça me permet de lire en même temps que vous. Voilà des extraits du livre qui s'appelle « Les terres du ciel », qu'il a publié notamment l'édition de 1884. Voilà ce qu'il écrit dans son livre. « Nous ne considérons plus seulement aujourd'hui la doctrine de l'existence de la vie en dehors de la Terre dans son caractère général et philosophique, mais nous pouvons pénétrer dans les détails, prendre les preuves en main, nous arrêter sur chaque planète et constater les témoignages irrécusables de l'existence de la vie à leur surface. » Voilà, fin 19e siècle, il y a un peu plus d'un siècle, c'est bon, on avait réglé le truc, la vie était partout dans le système solaire. Et c'est vrai que c'est l'une des choses qu'on fait en planétologie, c'est essayer de comparer à ce qu'on connaît. Effectivement, quand on observe la Lune ou la planète Mars, la première chose qu'on fait, c'est de comparer à la planète Terre. La planète Terre, il y a de la vie, donc forcément, sur les autres planètes, il y a de la vie. Et ça paraît évidemment assez incroyable aujourd'hui, mais c'était ce qui finalement existait à la fin du 19e siècle. Effectivement, quand on voit... voilà une photographie de la Lune à la fin du 19e siècle. Voilà une photographie de la Lune aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, on a envoyé les missions Apollo, on est allé photographier la surface de la Lune beaucoup plus près. Chose près, même si vous photographiez l'image de la Lune avec des résolutions de quelques centimètres, vous ne comprenez pas plus la nature finalement vraiment géologique de la Lune. Il a fallu des données spectroscopiques, ramener des échantillons pour véritablement comprendre ce que c'est la Lune. Mettez-vous vraiment dans la tête qu'avant les années 60, les missions Apollo, on ne savait pas du tout ce que c'était notre satellite. Et il y a encore, si vous ouvrez des livres dans des années 50, vous allez vous rendre compte à quel point on ne connaissait rien. Et pourtant, on arrivait à décrire totalement la surface de la Lune. Et effectivement, l'une des premières choses que Camille Flammarion décrivait, on remarque un grand nombre de cratères, presque tous circulaires, ruines de volcans éteints. Les volcans sont l'exception sur la Terre et la règle générale sur la Lune. Voilà ce qu'on disait à la fin du 19e siècle. Tous les petits cratères que vous avez, je pense, vus quasiment dans un télescope une fois dans votre vie, eh bien, à la fin du 19e siècle, on pensait que c'était des volcans. Et ça, jusque dans les années 60, de nombreuses études pensaient que... Il y a 50 ans, on ne savait pas la nature des trous sur la Lune. Donc vous voyez que c'est quand même assez incroyable. On résout des mystères incroyables à plusieurs milliards d'années-lumière et finalement, à 300 000 km, on en est à des volcans.
Alors effectivement, quand on regarde la surface de la Lune, d'un point de vue morphologie, d'un point de vue image, finalement on se dit, bah oui, effectivement, il y a des cavités circulaires, ça pourrait ressembler effectivement à des caldeiras de volcans. Et on en était là, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, jusque dans les années 50, on essayait de comparer la forme des caldeiras, des cratères, avec les caldeiras volcaniques. Et d'un point de vue morphologie, oui, ça pouvait ressembler. Certains disaient que voilà, ici au centre, on avait un volcan. Et naturellement, eh bien, Camille Flammarion, voilà cette image. Les cratères volcaniques sur la Lune, eh bien, on a un fluide qui vient du plus profond de la Lune et qui vient cracher cette lave pour former eh bien, ces remparts sur les cratères lunaires, pour former les cratères lunaires. Voilà ce qui est, les modèles de formation des cratères fin 19e siècle. Et puis, effectivement, hein, il est, voilà ce qu'il dit, hein, son caractère volcanique n'est pas discutable, et à ce titre, les formations volcaniques terrestres lui sont parfaitement comparables. Alors, effectivement, hein, quand vous comparez la morphologie, là, c'est la caldeira du mont Tambora, ici, en Indonésie, les caldeiras des Ténérifes, voilà, on peut effectivement se méprendre juste en prenant la morphologie. Ou alors, si vous allez vous balader, hein, je vous conseille d'aller passer vos vacances en Oregon et le cratère Lake, effectivement, on a une cavité circulaire avec un petit mont. Et puis, on pourrait se dire, bah voilà, c'est un cratère lunaire avec un pic central et vous avez les remparts. Ça, c'est bel et bien un volcan. Donc, évidemment, à l'époque, quand on voyait ça, la Lune, bon, on se disait, bah voilà, c'est un volcan. Et en fait, en géologie, bah, naturellement, la chose qui a fait véritablement changer la donne, c'est l'étude des roches. En fait, vous connaissez peut-être le cratère Meteor Crater, qui est en Arizona, un cratère d'un kilomètre de diamètre. Au début du XXe siècle, on a commencé à faire le lien entre météorite et cratère. Mais on ne connaît pas l'origine de la formation du Meteor Crater. Il a fallu attendre 1960 pour comprendre ce qu'était un cratère d'impact. Effectivement, Eugène Shoemaker, en 1960, lui a reconnu des minéraux qui étaient choqués dans le météore cratère, preuve finalement d'un impactisme et de choc très puissant à la surface de la Terre. Effectivement, quand vous formez un cratère, vous atteignez des pressions de 100 gigapascales. Normalement, à la surface de la Terre, vous n'atteignez pas ces pressions-là. 100 gigapascales, c'est ce qu'il y a à 2000 km en profondeur. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder d'un peu plus proche les roches et on a trouvé ce qu'on appelle des brèches d'impact. Ces brèches d'impact, ce sont des roches qui ressemblent à des roches volcaniques, mais qui n'en sont pas. Vous voyez, toutes ces taches noires, c'est des roches qui ont fondu suite à l'impact avec l'énergie, en fait, suite à la folle énergie libérée lors d'un impact. Et quand vous regardez encore plus proche avec un microscope, eh bien, vous allez trouver des minéraux. Là, c'est un minéral de quartz. Un quartz, normalement, c'est limpide, il n'y a rien. Et vous voyez, il y a plein de zébrures. Eh bien, ces zébrures ont été formées au moment de l'impact. Lors d'un cratère d'impact, vous pouvez aussi trouver des shatter cones. Jean et témoin, on les a cherchés au Tadjikistan pendant des jours et des jours, on ne les a pas trouvés. Mais ça, si vous trouvez ça dans votre jardin, vous m'appelez parce que vous avez un cratère d'impact dans votre jardin. C'est la preuve irréfutable qu'il y a un cratère d'impact. Donc, vous voyez qu'il a fallu attendre les années 60, et je pense notamment au cratère de Rochechouart en France, pour ceux qui connaissent à pas loin de Limoges. Eh bien, en 1969, il y a 50 ans pile, eh bien, François Crotte découvrait ces fameux PDF, ces fameuses linéations dans des quartz, dans les roches de Rochechouart. Et donc, il y a 50 ans, on démontrait qu'il y avait eu un cratère d'impact il y a 200 millions d'années sur Terre, en France. Alors, évidemment, voilà, on comprenait mieux à partir de ce moment. Donc, le processus de formation de cratères d'impact, eh bien, on le comprend uniquement depuis les années 60. Et effectivement, c'est expliqué par l'arrivée brutale d'un astéroïde à forte vitesse, avec la libération folle d'énergie, provoquant une onde de choc, une excavation des roches, formant ces cavités circulaires. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ah, sur la Lune, il y a plein de cratères. En fait, ce sont uniquement des impacts. Alors certes, il y a du volcanisme aussi sur la Lune, mais finalement, la majorité des cratères sur la Lune sont des cratères d'impact. Alors, il y a une autre chose aussi que Camille Flammarion racontait, et quand je dis Camille Flammarion, je le résume à la pensée de beaucoup de scientifiques de l'époque, hein, notamment Giovanni Schiaparelli, qui était un grand astronome observateur. Et vous voyez ce qu'il racontait, la Lune doit être entourée d'une atmosphère peu épaisse, mais relativement dense.
Ces brumes, brouillards, vapeurs ou fumées dont il devient de moins en moins possible de douter. Et plusieurs observateurs ont vu sur la Lune des clartés énigmatiques qu'ils ont attribuées à des aurores boréales. En fait, depuis 5 siècles, les astronomes voient des lueurs, des petits flashs à la surface de la Lune. Et en fait, on n'a jamais compris ce que c'était. Et il a fallu attendre, en fait, eh bien, la nuit du 17 au 18 novembre 1999. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qui se passe à la surface de la Lune. Enfin, qu'est-ce qui se passe la nuit du 17 au 18 novembre ? Et en général, hein ? Les Léonides, ça vous dit quelque chose ? Ah, c'est un essaim météoritique très connu. Où il y a des étoiles filantes, souvent les nuits du 17 au 18 novembre. Et vous allez me dire ce que vous voyez sur cette image. Vous avez vu au centre du carré vert ? Je le remets un coup. Regardez au centre des carrés verts. Celui-là, on le voit bien. Vous les avez vus ? Je le remets un coup, c'est bon ? Vous avez vu ces petits flashs ? Vous allez me dire, ouais, super. Eh bien, ces petits flashs, la nuit du 17 au 18 novembre 1999, on en a observé 20 pendant la nuit, observés par les Américains, les Japonais, les Espagnols. Pour la première fois, on filmait des impacts à la surface de la Lune. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Ça faisait 5 siècles que tous les plus grands astronomes observaient des flashs à la surface de la Lune et on pensait que c'était des nuages, des aurores boréales, des éruptions volcaniques. Et finalement, eh bien, notamment là, voici le plus gros, là, vous voyez la flèche bleue. Eh bien, à côté de la flèche bleue, vous allez voir ce qu'il y a. Vous voyez ce gros flash ? Ce gros flash, là, eh bien, c'est un objet qui mesurait quelques mètres de diamètre qui venait d'impacter la surface de la Lune. Aujourd'hui, on a les moyens, avec un petit télescope, une caméra vidéo, eh bien, de surveiller les impacts à la surface de la Lune. Alors, vous allez me dire, comment ça se forme ? Eh bien, quand l'objet arrive à pleine vitesse à la surface de la Lune, l'objet, évidemment, va libérer toute son énergie, va fondre la roche lunaire et va envoyer, éjecter des nuages de gouttelettes, de petites gouttelettes de silicate fondu qui vont émettre thermiquement de la lumière vers la Terre. Ce que vous voyez, c'est de la roche fondue qui est éjectée au moment de l'impact. Sur Terre, ce qui ressemble le plus, eh bien, ce sont les tektites. C'est du verre d'impact. Ça, vous en trouvez un petit peu partout sur Terre. Et ce verre d'impact, eh bien, c'est des roches terrestres qui sont fondues au moment de la formation de cratères d'impact. Donc voilà le mystère, finalement, de ces lueurs énigmatiques à la surface de la Lune. Eh bien, c'est suite à des formations de cratères d'impact. Et vous voyez qu'aujourd'hui, grâce à l'imagerie haute résolution, voici un flash lunaire. En fait, grâce à l'imagerie, notamment le satellite Lunar Reconnaissance Orbiter, eh bien, on a la possibilité de détecter le nouveau cratère d'impact suite au flash lunaire. Vous voyez l'image avant, après le flash, et on a détecté ce nouveau cratère qui faisait une trentaine de mètres de diamètre. Donc vous voyez que, évidemment, bah voilà, ça approche, ça avance, et vous voyez qu'il a fallu quasiment 5 siècles pour comprendre finalement ce qu'étaient ces petits flashs qu'on observait depuis pas mal de temps. Alors, une des choses évidemment qui était assez incroyable à l'époque de Flammarion, c'était qu'on ne doutait pas qu'il y avait la Lune. Et effectivement, de nombreux observateurs disaient, bah voilà, de la végétation doit exister dans les plaines désignées sous le nom des mers. Alors qu'évidemment, si vous avez déjà observé les mers lunaires, voilà ce que c'est une mer lunaire. C'est tout simplement, aujourd'hui on le sait, une étendue de lave qui a rempli un immense bassin d'impact. Et en fait, à l'époque, eh bien, on considérait que les télescopes n'avaient pas une résolution suffisante pour voir les détails de ce qui se passait dans ces mers-là. Et on imaginait des forêts de séquoia, plein de choses. Bref, c'était assez incroyable, évidemment, de se dire ça, alors qu'aujourd'hui, ça nous semble naturel de se dire que toutes ces mers lunaires, eh bien, ce sont tout simplement de grands épanchements volcaniques qui ont eu lieu aujourd'hui il y a plus de 3,8 milliards d'années. Et effectivement, hein, de la lave, il y en a eu. Tous les cratères, ce sont des cratères d'impact, mais vous avez eu effectivement de la lave à foison qui a rempli les grands bassins d'impact et qui ont formé notamment eh bien, ce qu'on appelle des sillons volcaniques avec des vallées où la lave a coulé en grande quantité.
Donc vous voyez que sur la Lune, on a raconté beaucoup de choses et finalement, il a fallu effectivement attendre l'arrivée des missions Apollo, notamment pour comprendre véritablement ce qu'était la surface de la Lune. Et en 69, on avait encore énormément de doutes sur la nature du sous-sol, sur ce qu'étaient les cratères, sur ce qu'était la Lune. C'est la première fois, après avoir ramené des échantillons, qu'on a compris que la Lune était un corps différencié, notamment avec un noyau, avec un manteau, une croûte. Donc évidemment, c'était quelque chose de très récent. Et très récent aussi de comprendre ce qu'était la planète. Alors la planète Mars, c'est autre chose, c'est-à-dire que aussi, jusque dans les années 60, on pensait qu'on allait trouver de la végétation et également de la vie. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire que une grande partie des scientifiques, surtout que Mars, voilà, hein, Mars, Flammarion le décrit comme vraiment la deuxième patrie dans notre système solaire, celle qui ressemble le plus, parce qu'on y voit de l'eau, de la glace, des nuages, etc. Donc on n'imagine pas qu'il puisse pas y avoir de la vie. Et effectivement, quand vous regardez voilà, une image qui a été prise par notamment François Collal à l'IEBCCE, ça, c'est ce que globalement, on peut faire de mieux sur Terre avec un télescope. Donc vous allez me dire, bah, c'est pas terrible, pourtant, on voit quand même pas mal de choses. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur Mars, il faut envoyer une sonde à la surface ou autour pour essayer d'avoir eh bien, plus de détails. Mais même avec l'imagerie, finalement, vous n'aurez, même si vous voyez des choses, vous allez forcément être dans l'interprétation. Donc aujourd'hui, on en apprend beaucoup plus sur Mars parce qu'on a accès à la minéralogie de surface, à la rugosité, à tous ces paramètres qui nous permettent de mieux comprendre la surface de la planète Mars. Et voilà ce qu'il racontait. Hein. Il est très rationnel de considérer les régions claires comme des terres et les régions sombres comme des mers. Donc voilà ce qu'il racontait. Hein. Ici, vous aviez des océans et tout ça, c'était des continents. Et donc, vous avez une véritable géographie martienne qui apparaît et on décrit, on nomme toutes ces formes. Les noms existent encore hein, aujourd'hui. Et effectivement, on pensait que tout ça était des océans et des terres. Effectivement, voilà les premières cartes, notamment de Flammarion, qui ressemblent très fortement à d'autres observateurs. Et si vous regardez la distribution, donc ça, c'est quand même un dessin fait à partir d'une lunette de globalement 30 cm. Si vous comparez meilleur télescope en orbite, à de loin, eh bien, vous vous rendez compte qu'on observe toutes les taches noires. Vous voyez notamment celle-là, le contour, eh bien, c'est cette grande tache noire. Vous voyez ici, vous allez avoir la distribution de toutes ces surfaces eh bien, est très proche et ils avaient fait un excellent travail d'observation. Évidemment, ces taches noires et ces taches claires, vous le savez bien, ce ne sont pas des océans et des mers. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte, grâce aux sondes orbitales, en fait, que cette différence de couleur était liée tout simplement à la présence de poussière ou pas à la surface de Mars. La planète Mars, on l'appelle la planète rouge, mais évidemment, elle n'est pas rouge en général. La planète Mars est une planète volcanique qui est en grande partie noire. Mais effectivement, elle est recouverte à beaucoup d'endroits de poussière, et cette poussière s'est oxydée parce qu'elle est riche en fer. Et donc, la planète Mars, en fait, c'est une planète rouillée, mais juste en surface. Si vous creusez un tout petit peu, eh bien, vous allez avoir, voilà ce que vous voyez, hein, finalement, vous retrouvez la roche volcanique qui est juste sous cette pellicule rougeâtre. Et donc, effectivement, sur cette carte-là, eh bien, tout ce qui est noir, là, ça, c'est là où il n'y a pas de poussière, vous voyez, low abundance of dust, et tout ce qui est rouge, en fait, c'est là où vous avez beaucoup de poussière. Donc voilà finalement le mystère résolu de ces taches noires et de ces taches rouges. Et donc vous le voyez, hein, de toutes les explications qu'on puisse donner de cette coloration, celle qu'il attribue à la végétation inconnue qui doit revêtir. Autrement, il faudrait supposer que par un miracle constant de stérilisation, le sol est resté partout aride, nu et tout à fait improductif. Vous voyez quand même que dans les promos, on n'imaginait pas que la vie ne puisse pas apparaître. Et lui, Camille Flammarion, eh bien, décide que finalement, le coquelicot est l'emblème de la botanique martienne. Donc vous voyez qu'on va loin hein, quand même, mais on en est là. Et donc effectivement, voilà, vous voyez, hein, c'est pas super accueillant, mais c'est ça, c'est un sol complètement oxydé. Et effectivement, hein, donc vous creusez, vous retrouvez de la roche noire. Autre chose, hein, il y a sur cette planète, traversant les continents, de grandes lignes sombres auxquelles on peut donner le nom de canaux. Alors ça, c'est
aussi quelque chose d'assez incroyable. Giovanni Schiaparelli est le premier à décrire précisément des formations qu'il voit, et il vous décrit de grandes lignes sombres, rectilignes. Et évidemment, lui, il confirme, il dit non, ça ne peut pas être une illusion d'optique. Giovanni Schiaparelli, c'était quand même un sacré observateur à l'époque, d'objets en général du ciel, notamment des comètes et des étoiles filantes. Et il décrit ces grandes lignes qui pouvaient mesurer de 1000 à 5000 km de long. Camille Flammarion reprend ses observations. Il dit, attendez les gars, si vous avez des formations de 1000 à 5000 km de long rectilignes, eh bien, il faut quand même se poser l'origine de la nature de ces formations rectilignes. Comment on fait des formations toutes droites, alors que, globalement, sur Terre, ça n'existe pas géologiquement parlant. Donc, évidemment, lui, il se dit, on est en train de construire le canal de Suez, le canal de Panama. Bon, nous, on fait des trucs de 10 km. Eh bien, eux, là-bas, ils arrivent à en faire des canaux de 1000 à 5000 km de long. Donc, évidemment, il se dit, ils sont super balèzes. Qui sont capables de faire des grands canaux, etc., il part évidemment très loin. Mais c'est les observables. Encore une fois, comment on arrive à faire des canaux de 1000 à 5000 km de long? Effectivement, eh bien, ces cartes, voilà les cartes notamment de Schiaparelli, où vous le voyez, toute la surface de Mars, ici, est recouverte de lignes. Certains les voient, certains ne les voient pas. Bref, vous voyez évidemment, la surface de Mars, il n'y a aucun canal. Voyez. Et alors ça va durer un bout de temps. Il y a même un astronome qui s'appelle Percival Lowell qui va construire un observatoire aux États-Unis uniquement pour observer les canaux martiens. Et il écrit un bouquin entier, Canals on Mars, vous pouvez le retrouver dans le commerce, et il décrit toutes les observations de ces canaux. Donc ça va très très loin. Et il a fallu attendre notamment les observations d'un astronome de l'observatoire de Meudon, Anthony Addy, qui démontre finalement que ce n'est qu'une illusion d'optique 50 ans après. Donc vous voyez, il faut attendre les années 1920 pour se dire finalement, il n'y a pas de canaux à la surface de Mars. Et pourtant, même après, on continue quand même à penser qu'il y a de l'eau à la surface de Mars et de la vie, etc. Et effectivement, les premiers astronomes, les premières images qui ont été envoyées par les missions à Mariner dans les années 60, ça a été grande déception parce qu'on a vu que des terrains complètement arides. Et pourtant, de l'eau, eh bien, il y en a. En fait, voilà une carte de Mars. Tout ce qui est rouge, là, ce sont des rivières sur Mars. Alors évidemment, Camille Flammarion ne les avait jamais observées. La résolution est bien trop faible. Là, vous avez des rivières qui vont mesurer quelques centaines de mètres de large. Et vous voyez tout ça là, avec des vallées qui incisent le sol martien, qui viennent se rejoindre pour former des tributaires de plus en plus importants. Eh bien, vous allez former ces grandes rivières, ces grands réseaux. Sur Mars, aujourd'hui, on a dénombré plus de 400 000 km de rivières. Donc, de l'eau à la surface de Mars, je sais bien que tous les ans, on annonce qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Et non seulement il y avait des rivières, mais il y avait des lacs, il y avait certainement des océans. Et donc ça, aujourd'hui, on a mis même en évidence aujourd'hui des traces de tsunami à la surface de Mars. Donc, il y avait une grande quantité d'eau il y a 3,5-4 milliards d'années à la surface de Mars. Évidemment, Flammarion racontait ça, mais il n'avait rien observé de tout ça, évidemment. Et puis, vous le voyez, Flammarion racontait, cette atmosphère paraît être sensiblement moins dense que celle que nous respirons. L'aspect de la géographie de Mars prouve que l'eau y est à l'état liquide. Pareil, affirmation complètement arbitraire, mais finalement, il avait tort aujourd'hui. On sait qu'il n'y a pas d'eau liquide, notamment du fait de la faible atmosphère martienne. Oui, il y a une atmosphère, donc ça, on l'avait observé. Oui, il y a des nuages. Mais l'atmosphère martienne, c'est 6 millibars de pression, 150 fois plus faible que la pression atmosphérique terrestre. Et effectivement, à ces pressions-là, voilà un diagramme de phase là, de l'eau. Vous voyez, vous avez la température, la pression. Sur Terre, vous êtes à 1 bar. Jusqu'à 0 degré, vous avez de la glace, vous avez de l'eau liquide. Et au-delà, vous avez de la vapeur d'eau. Sur Mars, eh bien, aujourd'hui, on est à 6 millibars. La présence de liquide n'est plus possible. Vous êtes sur Mars, vous allez vous balader, et bien vous sortez de votre capsule, tout votre eau liquide de votre corps, et bien en fait se met à bouillir gentiment et vous commencez à flétrir. D'accord ? Donc en fait, vous avez en dessous de 0 degré de la glace, au-dessus de 0 degré de la vapeur. Donc aujourd'hui, l'eau liquide n'est plus possible.
Et effectivement, il y a 3,8 milliards d'années, la pression atmosphérique était bien plus importante, permettant eh bien, d'avoir de la glace, de l'eau liquide pour les rivières, les lacs et les océans, et puis de la vapeur d'eau. Donc vous voyez que toutes ces observations, c'est assez intéressant en fait. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, en fait, à l'époque, on avait les seuls observables, c'était nos images. Et vous le voyez, cette magnifique image, j'aime beaucoup cette image de la Terre et de la Lune. Ça, c'est une véritable image. Si un jour, déjà, on avait ça pour une exoplanète, ce qui serait très, hein, c'est-à-dire qu'on en est loin d'avoir cette image-là. Eh bien, même avec cette résolution où là, vous avez quand même, vous commencez à voir un peu les continents, les nuages, qu'est-ce qu'on raconterait de ça, quoi ? C'est-à-dire que ça, ces images-là, c'est bien moins précis que tout ce qu'on avait à l'époque sur la Lune ou sur la planète Mars. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que l'observable, les images, évidemment, c'est ce qui nous transporte et c'est ce qu'on a envie d'avoir, mais ce n'est pas suffisant. Le jour où on prendra les premières images des exoplanètes avec des résolutions correctes, si ça arrive, eh bien de ça, vous ne pouvez pas raconter que là-dessus, il y a 7 milliards d'habitants. Ok, est-ce que ça, c'est des nuages, de la glace, des continents? Qu'est-ce qu'il y a? L'histoire? On n'en sait rien. Donc, les meilleures images ne permettent pas de raconter l'histoire d'une planète. Aujourd'hui, les exoplanètes, effectivement, on en découvre de plus en plus. Et vous le voyez, hein, Camille Flammarion, les astronomes sont d'accord pour admettre depuis plusieurs siècles déjà que chacun de ces innombrables soleils qui peuplent l'infini est le centre d'un système analogue au système planétaire dont nous faisons partie. Ou alors, nos yeux sont trop faibles pour apercevoir ces planètes inconnues, nos télescopes les plus puissants n'atteignent pas encore à ces profondeurs. On est à la fin du 19e siècle, on a conscience de ça, mais il a fallu attendre 1995 pour la première détection de la première exoplanète. Vous voyez, un siècle avant. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est ça aujourd'hui. Moi, évidemment, j'aime beaucoup cette petite vidéo-là parce que des systèmes planétaires dont on a observé finalement la trace, vous voyez ici, on a caché les révolutions, si ça se met, hop, on voit la révolution finalement des, ça ne veut pas, la révolution des planètes, non, ça ne veut pas, toujours pas, c'est pas réveillé, 2h30 du matin, ça y est, c'est fini. Bref, vous voyez les... Alors en fait, c'est dès que je me retourne, c'est bien. C'est... Alors, je ne me retourne pas. Paranormal, attention. C'est le laser, ouais, je viens de saisir la chose. Il a fallu un peu de temps, ça monte aussi. Mais vous voyez, hein, donc voilà les premières... Oui, merci mon grand. Observation, non, c'est très bien. Tu peux... faire de la science. Donc vous le voyez, hein, ce sont les premières images, effectivement, notamment parmi les premières images d'exoplanètes qui tournent autour de leur étoile. Vous le voyez ici, ça, effectivement, je pourrais raconter qu'il se passe plein de choses à la surface de cette planète, etc. Aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup plus d'observations, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes de la météorologie des exoplanètes, de l'intérieur des exoplanètes, évidemment les personnes qui détectent ces exoplanètes, et évidemment, on a beaucoup plus de données sur notamment les propriétés physiques de l'objet. C'est-à-dire que, par exemple, sur Mars ou sur la Lune, on était incapable de savoir, par exemple, la densité de ces planètes, donc ça, de ces corps. Ça, c'est, par exemple, quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, alors moi, je mets ce petit tableau, je travaille pas du tout sur les exoplanètes, mais on a une idée, on est capable de se dire quelle est la masse de ces exoplanètes, quelle est la température de ces exoplanètes. On essaye de trouver des planètes qui pourraient ressembler à la Terre. On fait une petite fixette aussi sur cette zone d'habitabilité, où est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau à la surface. Ça, c'est des choses qu'on peut envisager. Après, on va rentrer dans un monde aujourd'hui, on va être capable d'avoir des spectres, des atmosphères planétaires, d'avoir peut-être des signatures de chlorophylle, d'ozone ou autre chose. Et donc, évidemment, on rentre dans un monde où c'est excitant. On commence tout juste à caractériser les exoplanètes autour de ces étoiles. Ça, c'est super excitant. Mais vous voyez qu'on en est loin de voir la surface de ces exoplanètes.
Et en attendant, évidemment, on peut faire plein de modèles, on peut raconter plein de choses. C'est évidemment nécessaire pour avancer. Mais vous le voyez quand même que fin 19e siècle, on avait beau avoir l'objet, la Lune à côté, on était en train de raconter qu'il y avait des séquoias, quoi. Donc, des séquoias sur les exoplanètes, moi, j'en fais pousser tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette distance, c'est extrêmement excitant de faire ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir du recul sur toutes ces données. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'observables, on raconte beaucoup de choses, et c'est vrai que, bah, voilà, il va falloir du temps avant de savoir ce qui se passe. C'est un énorme travail considérable qui est attaqué. Et aujourd'hui même, quand on est, vous voyez bien, on découvre des corps solaires régulièrement. Là, récemment, vous avez peut-être suivi les observations de New Horizons sur l'objet Ultima Thule, qui est un petit corps, un petit objet transneptunien. On a des images, mais on sait bien plus de quoi il est composé, quelle densité. On est bloqué. Et pourtant, on a des images, on a des résolutions extrêmement bonnes sur ces corps. Et dans la conclusion, eh bien, on est bloqué. Et donc, ça, c'est évidemment un coup de pub pour la géologie, c'est-à-dire que, évidemment, bah, la meilleure chose pour comprendre l'histoire géologique de la planète Mars, c'est d'y aller, d'aller casser du caillou. Ce qui a fait avancer la science lunaire, c'est de ramener 400 kilos de roches lunaires. On n'aurait pas ramené ces 400 kilos de roches lunaires, eh bien, l'origine de la Lune et de beaucoup de choses dans le système solaire, on serait bloqué. Donc, c'est vrai que les observations s'y rendent. Pourquoi on va sur Mars ? Bah parce qu'on a besoin d'y aller, et pas seulement à un seul endroit. Si demain, je vous donne 2-3 cailloux de la roche, vous allez être loin de me raconter l'histoire. Aujourd'hui, on connaît l'histoire géologique de la Terre parce que ça fait 2 siècles qu'on s'y promène et qu'on échantillonne, qu'on date, qu'on compare, etc. C'est un énorme travail de comprendre l'histoire de la Terre, des planètes. Donc oui, sur la Lune, on commence à chatouiller un peu l'histoire géologique de très loin. Pour ça qu'il faut évidemment y retourner pour aller échantillonner à d'autres endroits que les endroits où on est allé échantillonner. Et donc voilà, je finirai par une phrase de Camille Flammarion, parce qu'il y avait quand même, il était assez visionnaire, même si c'est très discutable, mais ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà, qui sait si bientôt nous ne communiquerons pas ensemble par un télégraphe ni plus ni moins merveilleux que celui qui nous permet actuellement de causer à voix basse et instantanément d'un bout à l'autre du globe terrestre. Voilà, alors on en est peut-être loin, hein, effectivement, de causer avec les gens des autres systèmes, mais c'est vrai que c'est... voilà. Vraiment, découvrez Camille Flammarion, ça peut paraître saugrenu et un peu bizarre, mais finalement, bah voilà, les premières observations, les premières hypothèses, alors oui, c'est un peu de la géopoésie, mais finalement, c'est la première fois qu'il y avait des hypothèses qui étaient lancées, qui ont été contredites depuis, mais vous voyez que pour certaines, il a fallu du temps pour comprendre la nature de ces objets. Et donc voilà, donc toujours, en tout cas, continuer à observer la Lune, hein. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a lancé cette manifestation « On the Moon Again ». L'objectif, c'est, même si on ne comprend pas ce que c'est la Lune, observer la Lune. La Lune, elle est là, elle est à la portée de tous. Je ne sais pas si vous avez des télescopes dans la salle, mais franchement, sortez-le, sortez dans la rue et vous allez voir que vous allez faire des heureux, parce qu'une grande majorité des gens n'ont jamais observé la Lune. Et ça, c'est un sentiment incroyable, la première fois que vous avez une personne qui observe dans votre télescope et que vous découvrez ce nouveau monde. On est en 2019, et une grande majorité des gens n'ont jamais observé la Lune, alors qu'elle est à 380 000 km de nous. Et je peux vous dire que vous allez donner du bonheur. Si vous avez une petite lunette, vous sortez les 12 et 13 juillet, votre lunette devant votre maison, sur la place de la rue, au coin de sur la place du village, au bord de la rivière, où vous voulez, et partager la Lune. C'est ça l'astronomie populaire portée par Camille Flammarion. Et vraiment, tout le monde peut participer à ça. Merci. Merci beaucoup pour cette enthousiasmante conférence. Eh bien, on va continuer à partager ensemble et je vous invite donc à poser vos questions à l'orateur. Concernant la présence de liquide sur Mars, qui était possible avec la pression avant qui était plus forte sur l'atmosphère, je voulais savoir comment et pourquoi cette pression atmosphérique a évolué dans le temps pour diminuer maintenant.
Alors ça, c'est une bonne question. On n'a pas entièrement la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une chose qui a changé fortement aujourd'hui. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui pensent que c'est cette solution-là. C'est que la planète Mars avait un champ magnétique avant. Avant 3,8 milliards d'années, la planète Mars avait un champ magnétique qui protégeait notamment la planète des rayons solaires. La sonde MAVEN récemment a montré que le vent solaire soufflait les molécules de l'atmosphère, en fait, parce qu'il n'y avait pas de champ magnétique. Sur Terre, ce champ magnétique permet de protéger finalement les molécules de l'atmosphère. Et en fait, une grande partie de l'atmosphère aurait été soufflée par le vent solaire parce que le champ magnétique, à un moment donné, s'est arrêté. Alors vous allez me dire, pourquoi le champ magnétique s'est arrêté? Ça, c'est une question, là, on a encore moins la réponse. Est-ce que la planète Mars était plus petite? Est-ce que trop petite pour gagner de la chaleur au niveau interne, on ne comprend rien, on est perdu. Comprendre vraiment l'origine de la dynamo interne martienne, c'est quelque chose qui est très discutable. Donc, aujourd'hui, voilà, on sait que le champ magnétique a disparu à peu près à l'époque où l'eau a disparu. Donc ça, on a ce timing-là. L'origine de la disparition du champ magnétique, c'est quand même encore un grand débat aujourd'hui. Une autre question du public? Oui. J'ai peur de ne pas réussir très bien à formuler ma question, mais en gros, aujourd'hui, la conquête... Excusez-moi. Vous parliez de la nécessité d'aller se rendre sur les sols célestes, que ce soit lunaire ou sur Mars, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit quand même plus ou moins une course d'argent, de concurrence entre les pays, même, et que ce soit un enjeu économique ou même de pouvoir, est-ce que pour vous, ça peut nier à ces conquêtes ou est-ce que... même si c'est des motivations pas que scientifiques, c'est toujours bon à prendre et ça apportera... est-ce que vous avez un regard un peu critique là-dessus ou... Si je prends... Alors, sur Mars, aujourd'hui, c'est très peu stratégique. C'est-à-dire que y a un côté politique entre notamment qui c'est qui ira se poser pour la première fois sur Mars, pourquoi pas, effectivement... mais il n'y a pas d'enjeu stratégique autre que aller poser éventuellement le premier pas sur Mars et ça va pas être avant un bout de temps. Là, en ce moment, on a un regain pour l'exploration lunaire. Et là, la Lune, c'est discutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on veut y retourner pour aller faire de la science, mais certains qui vont vous faire de la stratégie militaire vont vous dire que ça a un aspect militaire. D'autres qui vont vous parler de ressources vont vouloir y aller aussi. Donc tout ça, ça peut faire peur un petit peu parce qu'évidemment, on ne sait pas pourquoi vraiment on retourne sur la Lune. Évidemment, moi, en tant que scientifique, j'ai envie de vous dire, moi, je sais exactement où il faut aller parce que j'ai des questions et j'ai envie d'avoir les réponses. Après, c'est vrai que investir pour retourner sur la Lune, parce que ça va être ça, évidemment. Vous le voyez que Trump est en train de faire de beaux discours pour y retourner avant 2024. Les Chinois font la même chose, etc. Donc, les Russes sont un peu hors course, mais on a quand même un peu cette battle entre les Chinois et les Américains. Donc, ça nous rappelle un peu la guerre froide il y a 50 ans, le contexte. Évidemment, c'est toujours bon à prendre. Après, c'est vrai qu'il va falloir poser les choses et pourquoi on retourne à la surface sur la Lune. On parle de village lunaire, on parle de tourisme lunaire. Tout ça, ça fait un peu peur. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller sur la Lune pour installer une base scientifique et point barre. Après, c'est une vision très naïve, certainement, de ma part. Et il va y avoir évidemment d'autres motivations qui vont venir d'autres sphères. Et ça, il va falloir faire effectivement attention. On va prendre des questions qui ont été envoyées et après on repassera aux questions dans la salle. Alors, vous avez montré tout à l'heure que si on retourne le sol de Mars ou si on fait un trou dedans, la planète est noire. On a Anne et Emma sur les réseaux qui demandent combien de temps ça met pour redevenir rouge. Alors ça, c'est une bonne question.
Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne vais pas avoir la réponse parce qu'en fait, on n'a pas de mesure encore assez. On n'a jamais mesuré combien de temps dure cette altération. Ce qu'on sait, c'est que globalement, quand même, il y a 3,8 milliards d'années, la planète devait être complètement noire. Donc, on devait avoir effectivement une grosse partie volcanique. Et depuis combien de temps elle est rouge ? On se voit bien, en tout cas, que depuis les premières observations, vraiment depuis les années. Ôté à la lunette, depuis le XVIIe siècle, Mars était déjà rouge. Et puis, on le sait quand même que depuis l'Antiquité, Mars était déjà rouge. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette altération. Après, retourner et attendre combien de temps ça altère, moi, je n'ai aucune idée. Il y a peut-être des modèles, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un processus quand même assez long parce que du fait notamment de la faible présence d'oxygène dans l'atmosphère, c'est pas un processus qui attaque très rapidement quand même, mon point de vue. Alors, une autre question de à fond, qui demande pourquoi si peu de traces d'impact sur Mars, alors que géologiquement, ça n'a pas l'air d'être très actif. Alors, sur Mars, il y a quand même de nombreux cratères d'impact. En fait, je ne sais pas si je peux remontrer l'image de Mars, mais sur Mars, vous avez ce qu'on appelle une dichotomie. Dans l'hémisphère nord, il y a très peu de cratères. Dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de cratères, quasiment autant que sur la Lune. Et l'âge des terrains, en fait, va vous être donné par le nombre de cratères. Plus une surface est ancienne, plus elle est cratérisée. Et globalement, dans les terrains de l'hémisphère sud, vous avez autant de cratères que sur la Lune. Et ça montre effectivement qu'il y a eu peu de processus qui ont modifié finalement les terrains dans l'hémisphère sud. Et donc, on a la chance. Pourquoi on va sur Mars ? Parce qu'on a accès à des terrains qui ont plus de 3 milliards d'années. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à dire. C'est que étudier la Lune et Mars, ça nous permet d'avoir accès à des terrains qui sont très anciens. Sur Terre, quand vous avez accès à des terrains qui ont 2-3 milliards d'années, c'est très vieux. Vous n'avez pas de terrain de 3-4 milliards d'années à la surface de la Terre. Et donc, évidemment, pourquoi on va sur Mars et sur la Lune ? Parce qu'on a certainement plus d'accès aux terrains qui ont eux-mêmes été altérés par les premières eaux du système solaire. Donc, effectivement, on est à un moment donné sur Mars où l'eau apparaît, l'eau coule, où finalement, on a les premières traces d'eau à la surface de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, d'extrêmement intéressant parce que la vie apparaît globalement autour de 3,8 milliards d'années sur Terre et... Il y a 3,8 milliards d'années sur Mars, on a de l'eau, des lacs et des océans. Donc voilà, et tout ça grâce aux cratères. Les cratères d'impact, nous, c'est un excellent chronomètre qui nous permet de raconter l'histoire géologique de la planète. Et effectivement, sur Mars, on a quand même de grands cratères d'impact, notamment celui-là, hein, le bassin Hellas, qui fait quand même 2500 km de diamètre. Question dans l'auditoire, oui. Moi, je voudrais parler de Vénus, qui a l'air d'être une planète super intéressante. Et je voulais savoir si on n'envoie pas trop de sondes, c'est parce que techniquement, on n'arrive pas à en faire qui tiennent la route sous les pluies d'acide et compagnie, ou s'il y a d'autres raisons. Alors, il n'y a rien à cacher sur Vénus. Vénus est une planète ultra intéressante. Et en ce moment, il y a une mission qui a été sélectionnée par l'ESA en phase finale. Là, on aura la réponse en 2021 qui s'appelle Envision. Donc en 2021, on saura si on renvoie une nouvelle sonde sur Vénus. Vénus a été survolée par plusieurs sondes. On s'y est posé quand même. C'est-à-dire que, vous ne le savez peut-être pas, mais les sondes Venera se sont posées 4 fois à la surface. On a des photos du sol de Vénus. Et sur Vénus, il y a plein de choses à découvrir. Alors évidemment, Vénus, c'est une planète volcanique qui a été recouverte quasiment entièrement il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ce qui s'était passé il y a 3-4 milliards d'années. Et pourtant, tout laisse à croire, notamment par des mesures des isotopes, de l'hydrogène, du deutérium, tout laisse penser qu'il y avait énormément d'eau à la surface de Vénus il y a 3-4 milliards d'années. Tout laisse penser qu'il y avait peut-être des croûtes océaniques, des croûtes continentales sur Vénus. Il se pose énormément de questions. Aujourd'hui, des scientifiques pensent même que dans la haute atmosphère, on pourrait éventuellement encore trouver des traces de vie. Alors évidemment, à la surface, oui, il fait 450 degrés, 90 bars. Mais si vous montez à 50-60 km d'altitude, et ben là, votre température, c'est à peu près 0-10 degrés et avec une pression quasiment terrestre. Donc, sur Vénus, on ne connaît quasiment rien. On a eu les données Magellan, on a des données très intéressantes, mais c'est vrai que ça manque de données et il faut y retourner, évidemment.
Et pour répondre à votre question sur la technologie, oui, on essaye de trouver des solutions techniques pour survivre à la surface de Vénus. Parce que, voilà, c'est 500 degrés. Un jour, je me suis amusé à mettre un Playmobil en mode pyrolyse dans mon four. Ben, évidemment, je peux vous dire que mon Playmobil avait une drôle de tête. Et c'est ça, quoi. Vous emmenez des composés électroniques à 500 degrés sur Vénus, votre sonde, elle survit quelques minutes. Et donc, il y a des choses à faire en orbite, sauf qu'évidemment, malheureusement, on a cette atmosphère qui est extrêmement dense qui nous gêne. Donc, on arrive quand même, grâce aux ondes radio, à traverser cette atmosphère et à voir des choses. Mais ça nous gêne par rapport à Mars et à la Lune, on est moins bien servi. Et retourner à la surface, on pourra peut-être y survivre peut-être quelques jours à la place de quelques heures, mais quelques jours pour vraiment faire le boulot qu'on fait sur la Lune ou sur Mars, ça va être compliqué. Donc il y a des choses à faire, mais on a encore du boulot avant d'y retourner. Merci. Une dernière question. Mais de façon traite, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on a une explication au fait qu'il y ait deux hémisphères totalement différents sur Mars ? La deuxième, ce serait, et du coup sur Vénus, faire des ballons observés depuis un dirigeable, ce serait possible ? Alors, pour rester sur Vénus, oui, il y a des projets de ballons stratosphériques, notamment un projet qui s'appelle VAMP. Donc vous pouvez taper VAMP, vous allez voir, c'est une magnifique aile volante gonflable qui est censée voler à 50-60 km pour aller étudier justement cette atmosphère. Alors évidemment, ce n'est pas l'atmosphère la plus sympa, c'est gorgé d'acide sulfurique, de plein de bonnes choses super mauvaises pour la vie, sauf que la vie, on le sait, sur Terre, vous allez à Dallol en Éthiopie où il fait ultra chaud, vous allez avoir des pH négatifs, et bien vous trouvez quand même des extrémophiles qui arrivent à survivre dans ces conditions-là. Donc oui, il y a ces projets-là. Est-ce que ça va exister ? C'est quand même dangereux, c'est risqué comme mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lancer des financements sur ce genre de mission, c'est compliqué, quoi. Pour répondre à votre question sur la dichotomie martienne, oui, il y a des hypothèses. Il y a deux grandes hypothèses à la mode. Soit vous avez dégommé le pôle Nord là, avec un impact géant qui a creusé en fait toutes les plaines de l'hémisphère Nord, parce que globalement, l'altitude des plaines Nord, c'est moins 3 km sous le niveau moyen. Ici, c'est plus 3 km par rapport au-dessus du moyen. Donc, vous avez un creux ici. Donc, certains pensent qu'il y a un énorme bassin d'impact. D'autres, au contraire, pensent qu'il y a eu un immense volcan qui a formé toutes ces laves à la surface. Pour ma part, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que on a tendance à simplifier les processus et de se dire, on a une image comme ça sur Mars et ça peut être ça ou ça, mais en fait, là-dedans, dans ces terrains de l'hémisphère sud, vous allez certainement avoir différents blocs, des continents. La tectonique des plaques sur Mars, je ne vais pas vous dire qu'il y en a ce soir, mais ça ne serait pas impossible. On ne sait absolument rien de ce qui s'est passé à la surface de Mars pendant les 500 premiers millions d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos histoires qu'on raconte, c'est à partir de 4 milliards d'années. Les 500 premiers millions d'années sur Terre, sur Vénus, sur Mars, on n'y connaît rien. Et est-ce qu'il y a eu effectivement des premiers océans, des premières tectoniques des plaques, des premiers continents qui se sont formés ? J'en sais rien. Toujours est-il que la structure de ces terrains de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord sont bien plus complexes que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Merci beaucoup. On applaudit encore l'orateur. Et on va pouvoir passer au dessin. Je rebranche. Hop. Hop.
Alors, on va passer au dessin. Je rappelle que nous avons deux dessinateurs du Café des Sciences qui dessinent leurs inspirations au cours des conférences. Et là, il s'agit de Mélanie Laborde et Thibaut Roy. Alors, pour le premier dessin, fin 19e, on observe pas mal de choses sur les planètes sans vraiment les comprendre. Nous avons une planète qui fait tap-tap, on se sent moins seul. Il a failli attendre 2 heures du mat pour parler de nous. 2 heures du mat, les enfants sont couchés. Et ma lune, tu l'aimes, ma lune ? Avant les années 60, on ne connaissait pas vraiment la lune. On pensait que les cratères étaient des volcans. Un caractère volcanique, des spots plein la gueule. En fait, je suis en pleine puberté. On a trouvé des quartz zébrés sur la lune. Moi aussi, je suis un spécialiste des cratères. Mais on vous a menti, les petits flashs, ce sont des E.T. en voyage qui prennent des photos. Yay, vous êtes si naïfs. Impact sur la Lune, le nouveau film de Méliès. La mission Apollo, Polo qui va découvrir la Lune. Merci Polo pour toutes tes découvertes. On parle de la surface de Mars comme un sol aride, nu et improductif. Bah quoi ? Non, rien. De la vie sur Mars ? Non, je suis unique. Quand est-ce que vous vous en rendrez compte, bande d'ingrats ? Des canaux sur Mars. Au soleil mio, canotier martien, touriste terrien. Atmosphère. T'as pas une gueule d'atmosphère et de fait, je n'ai pas d'eau liquide. De l'eau sur Mars ? Non, merci. Vive les géologues qui ont ramené des cailloux. Ah, toujours Polo. Cailloux de la Lune, les livres des géologues. Les livres de géologues, pardon. Des cailloux en avant les histoires. Pervers pépère, parrain de On the Moon Again. Si vous me montrez votre Lune, je vous montre mon télescope. Désolé. Rejoignez-le sur la Lune. Et on est bon.